Eh bien, à peine le mystère des fruits disparu résolu, j'ai sauté dans l'avion pour rejoindre mes amis Jenny et Eric, destination New York. Même pas le temps de faire une petite pause. Mais bon, New York, c'est vraiment l'une des villes les plus incroyables du monde. En fait, je me demande vraiment quelle est la raison qui a poussé Jenny et son frère Eric à me demander de les rejoindre si précipitamment. J'espère qu'il ne leur est rien arrivé de grave. Enfin, je ne vais pas tarder à le savoir car je crois que nous allons bientôt atterrir. Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures. Nous commençons notre descente vers l'aéroport de New York. Allez, en route vers New York, ou plutôt vers la grosse pomme, comme disent les Américains. Regarde, Eric, le voilà, Yoko. Hey, Yoko. Jenny, Eric, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Mais je vous avoue que je brûle d'impatience de savoir ce qui se passe. C'est à cause de Jenny, Yoko. Elle a trouvé un livre incroyable, même mieux. Attends, Eric, les murs ont des oreilles ici. Nous te raconterons tout cela demain matin à la maison. Là-bas, nous serons plus tranquilles pour parler. Et puis de toute façon, on a tous besoin d'une bonne nuit de repos pour être d'attaque. Eh bien, dans ce cas, en route, mes amis. Bon, maintenant que nous sommes à l'abri des regards indiscrets, et après cette bonne nuit de sommeil, on va pouvoir tout te raconter. Tout a commencé la semaine dernière. J'avais fini le livre que j'étais en train de lire, et j'avais besoin d'une nouvelle lecture. Je suis donc allée chez un marchand de livres d'occasion qui a toujours de superbes vieux livres très très beaux. Là-bas, j'ai trouvé un ancien livre sur l'archéologie qui avait l'air très intéressant. L'archéologie, ça explique comment vivaient les anciennes civilisations. J'ai alors décidé de l'acheter. Mais quand Jenny a ramené le livre à la maison, on a trouvé une vieille carte qui était coincée entre deux pages, certainement depuis des années. Et tiens-toi bien, Yoko. Il s'agit de la carte de l'île oubliée, une île sur laquelle se trouve un fabuleux trésor. Une île oubliée? Un trésor? Mais c'est incroyable! Regarde, Yoko, voici la carte du trésor de l'île oubliée. D'après l'auteur, l'île devrait se situer dans l'océan Pacifique. Mais il est très très difficile d'y pénétrer. En lisant le livre, j'ai découvert que le trésor de l'île oubliée est protégé par des portes magiques. Ces portes ne s'ouvrent qu'avec des pierres précieuses qui servent de clés. Il y en a trois différentes. En clair, sans ces trois pierres précieuses, pas de trésor. Je crois que je commence à y voir plus clair. Mais alors, quel est le problème? Justement, j'ai une petite vidéo à te montrer qui devrait t'aider à comprendre pourquoi nous sommes si inquiets. C'est passé aux informations télévisées hier soir, juste avant notre départ pour l'aéroport, pour aller t'accueillir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tous les services de sécurité sont en alerte maximale. En effet, Bob Carcasse, le plus célèbre voleur de bijoux du monde et de la galaxie, vient de s'évader de prison. C'est une nouvelle terrible, et déjà tous les bijoutiers de la planète sont effrayés. J'ai moi-même pensé, mesdames et messieurs, à m'enfermer dans un coffre-fort avec mes biens, mais je ne pourrai plus alors vous présenter ce journal et en plus, j'aurai l'air d'un imbécile. J'ai donc courageusement décidé de ne pas le faire. Ceci est la photo la plus récente que nous avons de Bob Carcasse. Si jamais vous reconnaissez ce sinistre personnage dans la rue, eh bien vraiment, faites très attention et surtout, ne lui donnez pas mon adresse. Voilà, c'est la fin de notre flash spécial. Bonsoir. Tiens, tiens, je crois bien avoir déjà vu ce Bob Carcasse et pas plus tard qu'hier soir à l'aéroport. C'était lui qui espionnait notre conversation. Et je ne serais pas surpris qu'il soit à la recherche de ces trois pierres précieuses pour pouvoir mettre la main sur le trésor de l'île oubliée. Mes amis, il faut absolument passer à l'action. Il faudrait commencer par trouver l'endroit où les pierres sont cachées. Ça, c'est écrit dans mon livre. Il ne me reste plus qu'à regrouper les informations pour dessiner un plan et
En route vers l'aventure. Hey Jenny, on pourrait en profiter pour montrer Central Park à Yoko. Tu vas voir Yoko, c'est un super grand parc au cœur de la ville. C'est génial. Ça, c'est une très bonne idée, Eric. Bon, eh bien, je vais prendre tout le matériel dont j'ai besoin pour dessiner le plan de nos aventures. Parfait. Comme ça, je visiterai un peu la ville avant notre départ. Allez, en route! Et voilà, j'ai fini de dessiner notre plan. Vous allez voir, trouver ces trois pierres précieuses ne va pas être de tout repos. Bah attends, tu nous connais. Quand il s'agit d'aventure, on n'est pas les derniers. Et on va même être les premiers. Allez Jenny, montre-nous ton plan. Je vois que j'ai bien fait d'amener le Turbo Yoko. Ce sera le parfait moyen de transport pour aller vers chaque destination. Hé, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est quoi les Inuits et les Aztèques? C'est qui tu veux dire? Les Inuits et les Aztèques, ce sont des peuples très anciens. Et avec les Indiens, ils sont les gardiens des trois pierres précieuses. Mais qu'est-ce que... Eugénie, la carte! Il n'y a pas une seconde à perdre. Vite, je pars à sa poursuite. On part à la poursuite de Bob Carcass. Pour avancer sur le skateboard, appuie sur la flèche droite de ton clavier. Attention, il y a des embûches sur le parcours. Pour sauter et éviter les obstacles, utilise la flèche qui va vers le haut de ton clavier. Pour te baisser, utilise la flèche qui va vers le bas de ton clavier. Et ensuite, si tu as besoin de freiner, il te faudra appuyer sur la flèche gauche de ton clavier. Fais bien attention, il faut éviter les frisbees qui volent. Alors, tu es prêt? Clique sur le bouton en haut et à droite de ton écran pour démarrer ta partie. Trop tard, Bob Carcass a disparu dans la circulation. Et maintenant, il y a une photo de notre plan. Cela veut dire qu'il sait où aller chercher les pierres précieuses. Nous aussi, il faut immédiatement se mettre en route. Notre seule chance, c'est d'arriver avant lui et de trouver les pierres les premiers. Pour cela, le Turbo Yoko va nous être vraiment utile. Il nous attend sur une des pistes de l'aéroport. En route! Avec le nouveau moteur supersonique qu'Arthur a rajouté sur le Turbo Yoko, il va deux fois plus vite. Cela devrait nous permettre de prendre un peu d'avance sur l'ignoble Bob Carcass. Eh bien, il ne nous reste plus alors qu'à choisir notre première destination. On va consulter le plan pour se mettre d'accord sur notre première étape.